Amadou Djuldé Baldé est un bon élève. Malheureusement, aujourd'hui, il ne va plus à l'école. La raison, cette plaie qui le ronge le côté droit de la tête. Il en souffre depuis 7 mois. À l'origine, un furoncle. Il s'était aussitôt rendu dans des centres médicaux pour des soins. Les opérations chirurgicales qu'il a suivies ne l'ont pas épargné de cette situation. De ce côté, il y avait un petit bouton. Quand il s'est éclaté, c'est devenu une plaie. Mais par là, il n'y avait pas eu de bouton. Et j'ai vu comme ça la plaie qui s'agrandit progressivement. Amadou Djuldé risque de perdre la vie. Cette vie qui ne tient plus qu'à un fil au sein de la maison qu'il ne quitte presque plus. Les parents de Djuldé sont encore plus inquiets. Leur enfant ne veut plus se nourrir et pire, il a perdu le sommeil. Aujourd'hui, je me tiens à l'écart de la société. Je ne peux pas fréquenter les gens avec cette plaie. À cause de la douleur, je ne dors plus. Son tuteur se dit être à court d'argent pour faire face aux frais médicaux de son neveu. Il lance un SOS. Je n'ai plus d'argent. Le peu que je gagne est suffisant par rapport aux frais médicaux. Je demande aux bonnes volontés de nous assister à cause de Dieu et de son prophète. Si vous avez des moyens, aidez-moi. Je suis trop inquiet. La plaie s'aggrave, la douleur s'accentue. Amadou se résigne dans ce mal-être en caressant l'espoir d'un miracle du ciel afin de voir sa plaie guérir un jour.